Salut à tous, ici Spulex et bienvenue dans ce 15e épisode de Let's Play sur Chroma Squad. Alors, notre équipe de super-héros, les Fruit Squad, en sont à leur 4e épisode de la saison 4. Après un combat de méca acharné dans l'épisode précédent, enfin deux combats de méca, coup sur coup, on va continuer sur notre lancée. Et donc pour cela, on va d'abord aller voir le studio, augmenter, améliorer quelque chose. Inspirateur, taux de butin plus 10, chaque épisode moins 15. Et ça, équipe de nettoyage, taux de butin plus 20. Mais chaque épisode moins 35. Alors, fond vert de qualité correcte. Ah, on passe de 10 à 25% d'audience globale. Je prends. Ok. Alors, le méca, est-ce qu'on peut l'améliorer? Pas encore, il manque du carton, toujours. Plaque de métal. Du carton. Plaque de métal. Et plaque de métal. Ok, eh bien, on va une fois aller voir si on peut pas faire du carton. Matériaux. Planche de bois, je ne peux pas en faire plus. Et donc ici, carton alien, je ne peux pas parce qu'il me faut des plaques de métal en plus que je n'ai pas parce qu'il me faut du carton. Non, du bois, pardon. Donc, bah là, je suis bloqué en fait, hein. Peut-être. Non, on va laisser ça comme ça. Et on va enregistrer directement notre prochain épisode. Qui a vu Fraise? Fraise a disparu. Alors, enregistrons un truc marrant. Ah, ça a l'air d'être le tigre là. Le tigre qu'on a vu dans la saison 2. Alors, instruction du réalisateur, réaliser 5 acrobaties d'équipe, maintenir la santé de tous les acteurs au-dessus de 50%. Waouh, ça va être dur. Ensuite, attaquer le boss avec le rôle geek à chaque tour, vaincre tous les serviteurs. Ok, bon, on va tenter, hein, démarrer. C'est plutôt calme depuis la semaine dernière, non? M'en parle pas! Je taperai volontiers sur un monstre de Lord Gaga! Ah, t'es pas croyable, Cassis! On devrait profiter de ce moment de répit. N'oubliez pas ce qu'a dit Cérébro! Il nous faut toujours du public pour vaincre Lord Gaga et ses sbires! Et si on enregistrait notre propre épisode comme avant? Bonne idée, mais attends, où est partie Fraise? Fraise voulait acheter à manger, ça ne devrait pas lui prendre longtemps. J'ai une idée, si Fraise se perdait ou était victime d'un kidnapping. Super, il nous faut plus d'idées comme ça. Préparons la carte et les cascadeurs pour commencer à enregistrer. Ce jour-là, les Fruit Squad recherchaient Fraise. Fraise a été kidnappée. Pomme enquêta et les indices les menèrent au repère des monstres. Des serviteurs, ce doit être le bon endroit, Fruit Squad. J'espère que Fraise aura de quoi manger quand on aura tourné cette scène. Ok, 5 acrobaties d'équipe et tout le monde au-dessus de 50%, d'accord. Eh bien, on commence. Et on commence par quoi? On va commencer par taper le gros au milieu. Alors, coop. Coop.
Quand tu viens là, hop. Et déjà une acrobatie. Et toi tu viens ici et vous frappez la tortue. Quadruple fantastique. Ok. Donc déjà deux acrobaties sur les 5 de fée. Ensuite, on y va. Donc là, avec pomme, coop et citron, vous tapez celui-là à 2. Framboise, tu viens là, coop. Et cassis, tu viens là. Et vous frappez celui-là ensemble. Ok. Aïe aïe aïe, voilà, fruitalisation c'est raté. J'ai perdu la maintenir la santé, tant pis. Alors, on y va, on continue. 3 sur 5. Donc déjà fruitalisation obligatoire là parce que ça devient chaud. Ensuite, pomme, non, cassis, tu te mets là. Coop. Comme ça, citron, tu viens ici. Ok, voilà. Pomme, tu viens là, voilà. Et j'ai les acrobaties d'équipe de fête. Et vous tuez le... Et vous deux, vous tapez sur celui-là. C'est quand même pas de chance que trois ennemis ont tapé sur le même... Ok, alors, ici. Voilà, Cassis, tu viens là. Comme ça. Pomme. Tu peux venir là-bas. Hop. Citron, tu viens là. Ok, et vous tapez sur celui-là, à 2. Voilà. Et enfin, framboise, tu viens taper celui-là avec Cassis. Voilà, très bien. Il n'y a plus qu'à. Voilà, tout seul, parce que quand même, hein, faut pas exagérer. J'en ai qu'un sur les deux, mais c'est pas grave. Il nous manque juste un combat de boss pour boucler l'épisode. On a un costume tout prêt. Waouh, c'était rapide. Attends, je me souviens de toi. Je crois pas qu'on ait payé ce monstre pour qu'il vienne, Pomme. Ça faisait longtemps, héros. Je suis Tiger Robopolis. Vous avez déjà détruit mes portails, Fruit Squad. Nous allons régler nos comptes. Hein, quoi? Ces portails étaient... réels? Tout comme le kidnapping de votre camarade. Quel est son nom humain déjà? Fraise, n'est-ce pas? Oh non! Où as-tu amené Fraise? Pas d'inquiétude, vous serez tous réunis dès que vous serez dans la même cage. À vous les vilains. Alors, attaquer le boss avec Geek à chaque tour et vaincre tous les serviteurs. Alors Geek déjà, est-ce que tu peux aller taper boss? Oui, tu peux aller taper le boss. Voilà. C'était filmé au moins. Ensuite, toi tu viens là et tu fais coop. Comme ça, Cassis peut venir ici. Coup de pied circulaire. Parfait. Et toi tu viens là. Voilà.
Un petit soin, c'est pas grave. Mais le boss va loin, c'est ça qui m'embête. Et elle se soigne en plus. Alors, Pomme, est-ce que tu peux toucher? Oui, tu peux toucher le boss. Allez, c'est bon. Très bien. Cassis, tu viens jusque là et tu fais coop. Comme ça. Allez, framboise peut arriver là, citron peut arriver là, et vous tapez sur celui-là. Voilà. Un petit soin, c'est pas grave. Ok, il faudra soigner. Donc déjà, Pomme, tu viens jusque là et tu frappes le boss. Ensuite, Cassis, tu viens là et tu viens là. Citron, tu viens ici et tu peux faire les dagues. Voilà, très bien. Framboise, tu viens là, tu fais cercle de l'amitié. Ok, esquiver, c'est très bien. Et il revient. Ça par contre, c'est vache. Ça veut dire que je suis obligé de le toucher avec mon flingue. Voilà. Toi ici, à l'arc, tu peux taper sur celui-là. Pomme, tu peux taper le soigneur. Et citron, tu peux taper le canard. Voilà. C'est pas grave. On peut tenter un quadruple fantastique. Alors, coop. Coop. Tu viens jusque-là, coop. Et toi, tu viens jusque-là et tu frappes le tigre. Voilà, très bien. Il se soigne. Ok, coop. Et j'arrive pas jusque là malheureusement. Ah. Est-ce que... Oui, ça a l'air d'être bon. Alors, coop. Comme ça, toi, tu peux venir jusqu'ici. Voilà. Toi en coop. Et on va faire les armes. Ah, on est que 3. L'arc n'a pas été fait. Mais c'est pas grave. Voilà, toi ici, eh bien, voilà, tu avances et puis c'est tout. Invisibilité pour te soigner un peu. Allez, Pomme, tu sautes là. Coop. Et toi, tu viens directement et vous frappez à 3. C'est bon. Ok. Qui aurait cru que vous auriez l'envie de vous battre sans votre chef? Jamais je n'aurais...
merci, les amis. Ce que vous venez de faire pour me sauver... Content que tu ailles bien. On sait tous que tu aurais fait pareil pour nous. On ne te laissera jamais tomber, Fraise. Mais... Tu as pu rapporter à manger? D'accord. Ok. C'est sympa, on a eu pas mal de trucs, dont un carton alien, c'est très bien. Pois, je déteste carrément Lord Gaga. Ce qu'a fait Lord Gaga à Sonic Studio est impardonnable. Matt Fruit Squad, lui aussi de la dope. Fruit Squad, comment osez-vous être aussi bon et plein de joie? Serviteur maléfique, équipe numéro 1. Ok, on a de quoi... Ouais, on a encore du temps pour faire un deuxième... Donc d'abord un mail, un message de Jupiter, de Shinya Takeda. Salut les amis, c'est Takeda de Cyberpolis. Je vous écris pour vous féliciter, Sprelix Studio. Vous faites un si bon travail. J'espère vraiment qu'un jour, nous pourrons tous tourner quelque chose ensemble. Les Fruit Squad sont incroyables. Ah, et j'allais oublier. Tomogo vous fait la bise. Son armure Vénus que vous avez conçue est impeccable. Mais on l'a fabriqué trop tard pour le dernier épisode de la saison. Takeda. C'est très motivant d'avoir tes nouvelles. Réponse reçue, ça me fait plaisir à entendre. Il nous faut de plus de super séries comme la vôtre. Je vais répandre cette bonne parole à tous les gens que je connais dans le Sentai. Prenez soin de vous. À 60 fans en plus. On crachera pas dessus. Très bien, on va améliorer un peu le studio. On peut faire toujours l'aspirateur, les projecteurs. Les caisses en métal pour le mecha. Les micros. Ouais, micro c'est bien. Et les projecteurs, voilà. Comme ça. Très bien, eh bien, on va tout de suite enregistrer le prochain épisode. Un sujet en béton. Un gros tas de gravier s'est transformé en monstre et change les gens en statues. Les Fruit Squad sauront-ils lui jeter la bonne pierre? Ok, alors gagnant 10 tours, vaincre un boss avec un coup de grâce, d'accord. Et ici, ensuite, ben, le mecha, vaincre un boss avec une frappe finale, vaincre le boss en 10 tours. Bon, comme il y a le mecha... Alors, plus 40% de défense, donc c'est 10% de défense en plus. Ou... ou 15% d'attaque. Ouais, allez, c'est parti. On fait un petit retour et on enregistre donc le gros tas de gravier. On est parti. Un nouveau challenge monstre se met à rôder en ville. Alors. J'ai de mettre le plan de Lord Gaga en action. Quel génie! Je vais absorber tout le gravier laissé par les humains sur ce chantier. Et devenir la créature de gravier la plus puissante jamais créée! Plus j'absorbe, plus les humains se chargent en pierre! À table! Cet endroit est parfait pour commencer! Tout ce gravier alentour! Miam, miam, j'adore le gravier! Yang, tu vas bien? Ça faisait longtemps. Salut Scott, je cherche des fossiles de dinosaures sur ce chantier. Et toi? J'attends l'arrivée des Fruit Squad, ils aiment bien les carrières des chantiers de construction. S'ils se montrent, je pourrais peindre une toile. Timothy, c'est ici que tu voulais tourner ton nouveau film d'horreur?
Ouais, c'est ça, Raphaël. Et toi, que fais-tu là? Je parcours les rues avec mon nouveau longboard. C'est ce qu'il me faut, des gens au hasard! Je commence par eux! Pourquoi me fait-on apparaître? Je recommence. Pourquoi on me fait apparaître si loin des PNJ? J'y suis presque. Phew! Transformez-vous en pierre! Quoi? Mais non! Moi! Assez causé, vous êtes deux pierres! Mais non, il s'appelle pas Pierre. Deux pieds. Non! Moi! Toute la ville sera bientôt une statue! Le seigneur Gravier continua alors à accomplir le plan maléfique de Lord Gaga. Cérébro avertit les Fraud Squad d'une menace sur le chantier. Et nos héros arrivèrent pour sauver la mise. Regardez, c'est la créature. Toi là! Je ne pensais pas que les gens viendraient à moi, mais c'est pratique! Qu'as-tu fait à ces gens, étrange créature? Changer en pierre, c'est ce que je continuerai à faire tant que j'aurai du gravier à manger! Et je dirai que vous êtes les suivants! Peut-être que nous pourrons sauver ces gens à temps si nous battons ce monstre. C'est tout à fait ce qu'on va faire. Alors, gagner en 10 tours et vaincre un boss avec un coup de grâce, tout simplement. Alors, eh bien, on va commencer... Je réfléchis, comment on va faire ça? Est-ce que on va se taper du canard d'abord? On va au moins se taper ce canard là. Hop. Ok, donc toi tu vas servir de tremplin. Hop. Voilà. Très bien, fraises et citrons, on est parti. Voilà, très bien. Ensuite. Très bien, coop. Ah, zut. Non, mais je peux le faire... Non, je peux pas, frutalisation. Et... À l'arc... Ok, les canards s'approchent. C'est pas grave. Donc déjà, framboise, soignoken sur cassis. Ensuite, citron... Non, on va attendre pomme. Tu restes là, coop. Comme ça. Cassis ne peut pas aller si loin que ça. Mince. Bon, Cassis. Tu viens là. Je voulais faire... En fait, qu'il arrive ici pour faire un coup de pied circulaire, mais... C'est raté. Oh, ben, c'est très bien, ça.
Même pas eu besoin du coup de pied circulaire. Ok, on vient là. Tu viens là. Coop. Et on tape le canard. Eh ben, framboise a pris cher. Alors, ce que je vais faire, tu viens jusque là, lasso. Non? Ah si, lasso de l'aigle. Voilà. Coop. Ici. Coop. Coop. Et... Ah zut. Et toi ici, eh bien, tu vas faire un cercle de l'amitié. Très bien. Petite bombe qui en touche deux. Le soigneur qui va certainement soigner quelqu'un. Même pas. Alors, si Citron vient ici, Coop. Cassis ne peut pas aller. Ah, c'est dommage ça. Voilà déjà. Comme ça, Fraise vient ici, Coop. Hop, Pomme vient ici. Est-ce que... Oui. Framboise vient ici. Ok, Coop. Et à 4. Quadruple fantastique. Il n'y a plus qu'un canard, on s'en fout. Alors, toi ici, tu vas jusqu'où? Tu vas pas très loin, hein? Toi, tu viens déjà ici. Ok, Coop. Ensuite, Pomme, tu peux venir jusque là. Très bien, Coop. Framboise. Non, tu veux pas sauter au-dessus, Framboise. Et Fraise, non plus. Donc, Fraise, tu viens ici, Coop. Framboise, tu viens là. Vous frappez à 4. Non! Tant pis. Alors, n'allez pas trop loin, s'il vous plaît. Ok. Ça, c'est très bien. Tu viens jusque là. Coop. Toi, tu viens ici. Coop. Alors, toi, tu viens ici et tu nous fais un petit cercle de l'amitié. Parfait. Toi, tu viens là-bas. Et c'est là que... Ok. Je peux le toucher, donc ici tu fais Coop. Et Pomme, tu te fous pas dans la merde. Quadruple fantastique, très bien. Est-ce que c'est un finish it? C'est un finish it. Non? Donc il y a des canards en plus. C'est un finish it. Mais il est beaucoup trop loin. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais le ramener avec le lasso. Et Coop. Voilà, Coop.
ici. Alors, je réfléchis. Tu peux te mettre là. Ok. Et coop. Tu te mets là. Coop. Et toi, tu viens ici. Et vous frappez à 5. Méga pêche. Très bien. Gagner en 10 tours. Vaincre un boss avec un coup de grâce. Parfait. Maintenant, le mecha. Vous pensez avoir gagné? Vous connaissez le plus gros tas de gravier au monde? Ouais, merci beaucoup, Fruit Squad. Regardez, ils deviennent des gens normaux. Super, à mon skate! Les Fruit Squad ont encore sauvé la mise. Oui, ça a marché! Comme je suis trop super content de les avoir financés sur Kickstarter, je suis en vie! Ça a marché, on a sauvé des gens. Mais on doit quand même s'occuper de ce gros truc minéral! Puissance du smoothie! Ok, bon ben là, toujours la même chose, hein. Dommage. Vaincre le boss en 10 tours, oui, ça va être très facile. Voilà. Un sur 10. Le combat de mecha, c'est limite risible. Hein. Faut juste pas se louper dans les... dans le timer. Voilà. Alors, 58 000. Je m'arrête quand il y a moins de 20 000. Prochain coup. Voilà. Un rayon de la mort qui tue. Continuez. Détruire la ville pour sauver la ville. Puissance du smoothie. J'adore. Tout ce qu'il faut, un épisode de Sentai était là. Critique 5 étoiles pour le dernier épisode de Fruit Squad. Fruit Squad, comment osez-vous être aussi bon et plein de joie? Et coup de grâce impressionnant pour une série indé. Go Fruit Squad. Ok. Parfait, on a un mail à lire, fan sub, oui ou non? Konnichiwa, Sakuseisha. Je Daisuki beaucoup votre série après qu'un Tomodachi à moi me l'a recommandé. C'est ma préférée maintenant. Cela dit, on n'a pas de version japonaise disponible, alors avec un groupe de sous-titreurs, on a bossé dessus pour que nos Nakama en profitent aussi. Est-ce que ça vous dérange pas? Notre communauté est en pleine expansion depuis le début de la série. Alors, on a perdu le fil à partir de Sakusei Truc. Subaraishi, excellent. Ou ça nous dérange? Ouais, excellent. Au moins, ça permet de faire découvrir à plus de monde hein, les fans sub, même si c'est pas super. Voilà. Confirmé. En cours, réponse reçue. Génial, vous êtes trop cacoy. Je vais vous faire un max de pub. Fan gagné 40. Sachant que normalement, une série, dans l'idéal, ne doit pas faire son bénéf sur la série en elle-même, mais sur les produits dérivés, je trouve.
Mais voilà, c'était que moi. Maintenant, on sait tous que les séries et les films veulent se faire, enfin les séries surtout veulent se faire de l'argent sur les pubs qu'il y a juste avant, juste après et pendant. Et les films veulent se faire de l'argent surtout sur les entrées en salle de cinéma. Point. Alors que les produits dérivés, je pense que ça peut faire ça peut faire pas mal de bénéfices aussi, mais voilà, ça ne regarde que moi. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter sur cet épisode. Donc on fera l'épisode 6 et l'épisode 7 dans le prochain épisode de Chroma Squad. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager les vidéos, à laisser des petits pouces en l'air. Et surtout, eh bien, portez-vous bien. Bye.